Il y a des activités communes, des activités qui sont plus sectorielles, du genre, ça va être une soirée de poker, une soirée... Non, je pense que c'est très varié. Il y en a pour tout le monde. Et on a d'autres parcs autour qui ont aussi des ententes et on peut aussi assister aux activités des autres parcs. Donc, ce qui fait que quelqu'un ne s'ennuie pas ici, réellement, s'il le veut. Et s'il veut être tranquille, bien, il est tout à fait tranquille. Il n'est pas obligé. Aucune obligation.